Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une préparation pour aller chez le véto et comment donner le vermifuge à son lapin. Donc là, on va la mettre dans sa cage. Donc, c'est une cage en fait pour chat, mais nous on la prend pour mante parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. Donc là, elle s'ouvre en bas, comme ça. Donc là, on a mis une petite serviette pour pas qu'elle fasse pipi dans la cage. Donc là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc je vous ai pas filmé quand elle est rentrée dans sa cage parce que elle a cru que j'allais l'attraper. Du coup elle a commencé à courir dans tous les sens. Du coup j'avais pas envie qu'elle se blesse, du coup j'ai laissé la cage, je suis sortie, après elle est rentrée du coup. Et voilà, je suis rentrée et j'ai fermé sa cage. Donc là on n'oublie pas son carnet de santé. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai mis une préparation. Donc j'aurais voulu vous faire tout un vlog chez le véto. Mais à cause du Covid-19, une seule personne avait le droit de rentrer et c'est pas moi qui y allais. Du coup, bah c'est pour ça. Donc là, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc elle a été vaccinée contre deux maladies. On lui a mis son produit antitique et le vétérinaire nous a dit de la vermifuger pendant 3 jours. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer comment s'y prendre. Donc là, on met la pipette dans le pot. Donc là, on va lui donner. Donc comme vous le voyez, elle veut pas qu'on lui donne. Donc ça se comprend. Hein. Je pense pas que ce soit très bon. Donc là, elle veut pas qu'on lui donne. Du coup là, on va quand même essayer de la tenir. Je sais pas si vous voyez là. Il y a des gouttes du coup qui tombent, là, c'est pas génial parce que il y en a du coup moins, mais voilà. Hop, là on lui donne le fond. Donc vraiment là elle veut pas du tout, donc on la tient quand même, mais on voit bien qu'elle veut pas du tout. Donc là elle a fini son vermifuge. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt et n'hésitez pas à liker et à vous abonner.